Alors, rapidement, je vais essayer de faire ça rapidement. En repartant en fait de la façon dont ça s'est fait, je vais raconter des choses qui se raconter des choses qu'on a déjà dit, mais on posait la question de savoir pourquoi rééditer en 2022 l'ouvrage de Georges Lénard et Émile Servet. Et une partie de la réponse trouve son origine dans les circonstances de rencontres, de recherches entre chercheurs, notamment de rencontres collectives entre les chercheurs d'enfance de classe, moi en particulier, qui fait partie du comité scientifique de la Bibliothèque idéale des sciences sociales, et Stéphane Bonnery, qui était venu partager et discuter en fait la première présentation des résultats d'enfance de classe en janvier 2019. Alors, quand on discute les résultats d'enfance de classe en janvier 2019, c'est une forme de colloque conclusif. Le livre est déjà quasiment écrit, hein. On a et l'essentiel des portraits, on a rédigé l'essentiel de la recherche et les blocs thématiques, et on est quasiment sous presse. Et c'est là que Stéphane me dit, mais vous ne connaissez pas cet ouvrage, comment est-ce possible? Et effectivement, voilà, donc ce qui se passe, c'est qu'au moment où on a fait Enfance de classe, recherche collective à 17 chercheurs dirigés par Bernard Lahire, avec des sociologues spécialistes de chacun des domaines thématiques qu'on a essayé de couvrir dans l'enquête, nous ne connaissions pas, nous n'avions pas connaissance de l'ouvrage. Et lorsque Stéphane donc me parle de cet ouvrage, celui-ci résonne particulièrement à mes oreilles, d'une part parce que je suis concrètement en post-doctorat, moi, sur enfance de classe. Je m'occupe de la recherche en tant que secrétaire scientifique, et puis je suis en charge de l'enquête dans cette famille sur les 36 qu'on a investiguées. Donc je suis vraiment. Et la question qui donne le point de départ de l'ouvrage de Georges Lénard et Émile Servet sonne vraiment particulièrement, enfin fait écho particulièrement à ce qu'on fait dans l'enfance de classe. Alors je vous relis cette question que vous pourrez aller lire dans l'ouvrage. Étant donné qu'on admet généralement aujourd'hui que les inégalités devant la culture apparaissent dès la petite enfance, peut-on faire quelque chose et comment? Et cette question, qui est un peu le fil directeur, le point de départ en fait de capital culturel et inégalités sociales, fait écho hein, très concrètement à enfance de classe. Et ce que je voudrais évoquer ici rapidement, je ne m'appesantirai pas parce qu'il nous reste peu de temps disponible sur le matin, c'est comment finalement enfance de classe, sans avoir lu l'ouvrage de 1978, rencontre, résonne, répète, refait en fait. Plusieurs années plus tard, un certain nombre de questions qui avaient été posées dans l'ouvrage de 1978. Et donc, je rappelle, à aucun moment pendant toute la construction de la recherche, depuis l'invention du dispositif méthodologique, la constitution des grilles à 16 chercheurs, l'écriture collective, etc., nous n'avions eu connaissance, de l'ouvrage. Et donc, il ne s'agit pas ici pour moi de comparer terme à terme de recherche, mais de pointer des éléments de convergence. On va dire de convergence intellectuelle qui me semble intéressant et heuristique pour l'histoire de la sociologie, histoire de la sociologie de l'enfance, histoire de la sociologie des socialisations et histoire de la sociologie des classes sociales. Et la première chose sur laquelle je voudrais m'arrêter, un petit clin d'œil, c'est cette dimension collective en fait des deux recherches, puisque on le rappelait, l'ouvrage de 1978 donc de Georges Lénard et Émile Servet est une thèse réalisée à deux, et on a rappelé combien c'est quelque chose de rare dans nos paysages académiques, où partage et collectivisation des opérations de recherche et d'analyse sont peu valorisées. Et dans Enfance de classe, c'est à peu près le même pari qui a été fait, parce que pendant 4 ans, on a travaillé à 17 sur un objet commun. Un objet commun, ce n'est pas seulement dire on travaille tous ensemble sur la socialisation pendant l'enfance et puis chacun travaille dans son coin. Enfance de classe, c'était vraiment des réunions très régulières, c'était vraiment une invention collective d'un même objet de recherche avec des grilles d'entretien qu'on fait ensemble et puis qui seront les mêmes lorsqu'elles seront utilisées dans les familles. Ça veut dire qu'on a étudié 35 cas, donc 35 familles d'enfants de 5-6 ans qui sont enquêtées de la même manière avec des opérations de recherche qui était censé, alors compte tenu des complexités parfois d'accès au terrain, évidemment, il y a toujours des petits couacs, des petits gaps, mais des grilles et des opérations de recherche qui sont sensiblement les mêmes, le plus possible les mêmes, convergentes en termes même de calendrier de la recherche. Par exemple, dans l'enfance de classe, on fait passer des tests langagiers, des exercices langagiers aux enfants. Chaque chercheur devait les conduire en mars de l'année scolaire pour pouvoir rendre des choses à minima comparables.
Donc, cette dimension collective me frappe quand Stéphane me parle de l'ouvrage, et c'est un petit clin d'œil que je voulais rappeler, parce qu'effectivement, c'est aussi un pari théorique et scientifique de travailler à plusieurs et d'écrire à plusieurs des ouvrages comme cela. Donc, au-delà de cette dimension collective, quatre directions qui me semblent importantes à souligner. Alors, je ne vais pas vous faire de long développement, je vais juste pointer des éléments qui me semblent intéressants pour l'histoire de la sociologie de l'enfance. Quatre directions qui sont communes, convergentes, entre Enfance de classe et l'ouvrage dont on célèbre la réédition aujourd'hui. Tout d'abord, un intérêt pour les questions des inégalités de classe et penser dans ce langage-là, dans ce langage des classes sociales, ce qui me semble important de rappeler. Un intérêt pour l'enfance en tant que temps, en tant que moment de socialisation qu'il est intéressant, heuristique et important d'étudier. Une volonté, troisièmement, d'incarner les résultats de recherche dans une logique monographique qui est convergente entre les deux enquêtes. Et enfin, un intérêt pour les questions de transmission culturelle, plus au centre de capital culturel et inégalité sociale, mais également présente dans Enfance de classe. Et c'est ces quatre points, ces quatre directions que je vais rapidement dessiner devant vous. Donc, d'une part, un intérêt commun sociologique pour les inégalités de classe, c'est-à-dire la prise en compte théorique de contextes matériels, mais aussi symboliques, dont on cherche à étudier dans les deux enquêtes les effets qui s'incarnent dans des individus, dans leur corps, dans ce à quoi ils ont concrètement accès ici et maintenant, dans ce qu'ils aspirent aussi à obtenir, à récupérer, à tenir, à devenir aussi. Donc un intérêt partagé, une forme de conscience aussi, je dirais, au regard de ce qu'a connu la sociologie entre 1978 et 2019, une forme de conscience ou presque de nécessité théorique de rappeler qu'il est utile de penser le monde social à travers la notion de classe sociale. Et c'était vraiment un pari théorique aussi de rappeler que oui, les classes sociales existent, que oui, le monde social est clivé, et on va vous le démontrer à hauteur d'enfant. Et oui, à 5 ans, c'est pas la même chose de s'appeler Valentine et de vivre dans le 7e arrondissement de Paris, dans la grande bourgeoisie, ou à Châne et de vivre dans des conditions extrêmement précaires. Donc, un intérêt partagé dans les deux cas pour des classes sociales, avec une volonté très culturelle et inégalité sociale, qui est écrit dans un langage théorique avec une attention portée aux questions d'accumulation différenciée entre les classes, aux trajectoires d'ascension des familles. Et c'est ce même intérêt qui se retrouve dans Enfance de classe, avec là aussi une subtilité dans cet intérêt des questions d'inégalité de classe, qui est un intérêt pensé au niveau des fractions de classe. Donc, pas juste tenir le langage, il y a trois classes sociales, des classes supérieures, des classes moyennes et des classes populaires, mais dans les deux cas, dans les deux enquêtes, l'idée que c'est au niveau des fractions de classe qu'il faut aller regarder les inégalités, donc distinguer des fractions économiques et des fractions culturelles, et voir comment, d'une fraction à l'autre, même quand on a la même position de classe dans les classes supérieures, en fait, on ne fait pas les mêmes choses avec ses enfants, pour ses enfants, en termes de pratiques éducatives, en termes de rites, langagier, de manière de table, etc., etc. L'attention dans les deux enquêtes, elle est portée sur le système des différences objectives entre les groupes familiaux, avec donc ce raffinement des différences par classe. Mais ça veut dire que dans les deux enquêtes, l'objectif, c'est de comparer les classes et les fractions de classe entre elles. Et dans Capital culturel et inégalité sociale, il y a bien des chapitres par classe qui donnent à voir les systèmes de fonctionnement classistes des classes sup, puis des classes moyennes, des classes populaires. Et dans Enfance de classe, on a essayé de faire pareil. Alors, on a fait des portraits qu'on a classés dans l'ouvrage par grandes catégories sociales, par grands groupes sociaux. Et puis, on a fait des blocs thématiques où on a essayé de redessiner, en fait, qui se voient au niveau des corps, des pratiques culturelles, des pratiques de gestion de l'ordre, de régulation de la parole dans les familles, qui nous semblait commune, traverser le système social. Les grilles d'entretien dans les deux cas, que ce soit dans Enfance de classe ou dans Capital culturel et inégalité sociale, sont centrées autour de la fabrication des inégalités. Donc, je trouve que c'est aussi important de le rappeler. Dans Enfance de classe, on a très concrètement construit les grilles pour mettre en évidence des inégalités incorporées, en les mettant au jour dans plusieurs contextes d'énonciation et de déploiement, et en faisant le pari que c'était la redondance du questionnement dans différents contextes d'analyse de la vie familiale qui permettait leur analyse.
Donc ici, pas seulement dans la question des pratiques culturelles ou de la transmission culturelle, mais vraiment répéter le questionnement de ce à quoi ont accès les enfants ou n'ont pas accès les enfants dans différents domaines pour essayer de tourner autour de l'enfant et de couvrir cette question dans un grand domaine de pratique, dans le plus grand nombre de domaines de pratique possible. Comment on a fait concrètement? On a essayé de dresser la liste des ressources objectives que possédaient les parents, celles qui sont disponibles, celles qui sont symboliquement mobilisables dans l'entourage familial proche, les ressources en termes de diplôme et de capital culturel, des grands-parents maternels et paternels, des frères et sœurs, des conjoints, autant de personnes dont on a fait préciser dans l'enquête, mais qui étaient aussi déjà présentes dans l'ouvrage de 78, dont on fait préciser aux parents à quelles occasions et à quelle fréquence ils voient l'enfant, qu'est-ce que fait l'enfant avec eux, etc. L'enquête permet ainsi, dans Enfance de classe, d'objectiver deux types de ressources qui sont inégalement réparties entre les familles, des ressources socialement objectivées, des niveaux de revenus, des niveaux de diplôme, des carrières et des positions professionnelles qui amènent, par exemple, inégalement à devoir prendre la parole en public, des types de logements. Alors, on n'a pas fait des plans, mais on a effectivement visité les logements, pris des notes ethnographiques, pris des photographies lorsque les parents nous le permettaient, des types de logements pour savoir si le logement est ou pas aux familles, si les familles le possèdent, si les familles ont des résidences secondaires. Est-ce que l'enfant peut avoir plusieurs chambres à lui? Est-ce qu'il a une chambre chez ses parents, mais aussi une chambre chez ses grands-parents maternels et paternels, pour savoir comment cette multiplication des espaces où l'enfant se sent chez lui pouvait avoir des effets concrets en termes de mobilisation d'une forme de capital culturel. On a essayé de dresser un panorama des capitaux scolaires, donc des parents de l'enfant, des capitaux plus largement disponibles, pour finalement réaliser quoi? Une forme d'état des lieux de ce qu'on a appelé des configurations familiales. Des configurations familiales dont on a essayé de dépasser un stade uniquement statistique pour donner à voir des indicateurs sociodémographiques larges, à la fois classiques, mais plus complexes, plus détaillés, pour être attentif aux conditions de possibilité de transmission du capital scolaire et familial et culturel, et y compris, est-ce que les familles possèdent des bibliothèques? Est-ce que l'enfant a une bibliothèque à lui? Où se trouve la bibliothèque? Est-ce qu'elle est dans le salon? Est-ce qu'elle est dans la chambre? Est-ce que cette bibliothèque est partagée entre les enfants? Est-ce que l'enfant il a le droit d'y classer son livre comme il veut ou est-ce qu'il doit respecter un ordre alphabétique? Donc, un ensemble de questions qui permettaient de donner à voir comment concrètement pouvait se transmettre ce capital culturel. Des dont on a essayé de retracer, d'objectiver l'existence et la possibilité de les mobiliser, et des ressources aussi incorporées sous la forme de dispositions et de compétences, compétences langagières, compétences corporelles, ressources incorporées dont on fait l'hypothèse, dont on a essayé de démontrer qu'elles engendrent des effets en matière de type d'interaction avec l'enfant, en matière de pratiques adultes faites avec les enfants, données en exemple aux enfants, et des ressources incorporées des enfants aussi qui sont saisies à travers les descriptions et jugements de différents adultes qui prennent part dans la vie de ces enfants, que ce soit l'enseignant, que ce soit les camarades de classe des enfants qu'on a pu observer en situation scolaire, mais aussi une nourrice ou un grand-parent qui s'occupe de l'enfant, donc des ressources incorporées dans l'entourage large. L'objectif étant, dans les deux enquêtes, de décrire au plus près la vie familiale et son organisation, et donc de reconstituer un arrière-plan existentiel objectivé, certes, mais aussi l'arrière-plan existentiel non dit, non perçu, qui produit, c'est l'hypothèse que l'on a fait, silencieusement et sans intention particulière, des effets de socialisation. On parlait tout à l'heure de socialisation indirecte. Effectivement, la distribution des pièces dans le logement, la distribution des bibliothèques, des tableaux au mur, etc., peuvent avoir des effets de socialisation. Dans une grande maison ou dans un grand appartement, avoir ou pas sa chambre, avoir une salle de jeu ou pas, posséder ses propres jouets, ce qui n'est pas acquis dans toutes les classes sociales, voir une femme de ménage ou une babysitter, voir un jardinier, voir quelqu'un qui est mis à votre disposition pour s'occuper de vous quand vous avez 5 ans, entendre ses parents demander à une nounou de vous parler anglais parce qu'on est là pour vous servir.
ça produit des effets à 5 ans qui, on fait l'hypothèse, pèsent sur la manière de se représenter soi-même, sa famille, mais aussi se représenter dans un espace des classes sociales, dans un espace des positions sociales. Donc, je m'arrêterai là pour ce qui est l'intérêt sociologique pour les classes sociales, mais vous avez compris, un intérêt partagé. Deuxième intérêt convergent entre les deux enquêtes, qui est un intérêt sociologique pour la période de l'enfance. La période de l'enfance en tant que moment, en tant que période particulièrement importante à étudier pour saisir les processus de constitution des inégalités. Et dans Enfance de classe, on a essayé de jouer sur les mots avec un titre. Enfance de classe, c'est aussi l'enfance des inégalités, c'est-à-dire la jeunesse sociale des inégalités à hauteur d'enfants dont on peut faire l'hypothèse qu'elles vont produire des effets cumulés par des effets de synergie tout au long de la vie. Alors, il n'y a pas forcément matière ici à voir du déterminisme, mais bien l'idée que oui, à 5 ans, les enfants vivent dans la même société, mais pas dans le même monde. C'est un peu le fil théorique de la recherche. Et pourquoi cet intérêt sociologique pour l'enfance, qui était déjà présent en 78, et pourquoi en 2019, on trouvait important d'en refaire mention? Parce que l'enfance, ça a été rappelé tout à l'heure par Stéphane, a été négligée par les sociologues français, ou je devrais dire les choses autrement, elle a été négligée quand elle était pensée en termes de classe sociale, en quelque sorte. Et ce qui nous semblait important, c'était de développer une sociologie de l'enfance qui soit attentive aux différences de structures sociales, aux différences de possibilités matérielles et symboliques d'avoir une enfance scolairement compatible, scolairement rentable, ou au contraire, une enfance parfois démunie. Dans certaines classes sociales, on apprend à manquer, on apprend à mourir jeune, on apprend à être en mauvaise santé, on apprend à ne pas comprendre à l'école, et dans d'autres classes sociales, on apprend parfois à dicter sa loi à la maîtresse, à lui dire quel livre il faudrait lire, on apprend qu'à l'école, on apprend moins bien qu'à la maison. Donc, des enfances qui sont différentes. Et au lieu de fixer la focale sur une autonomie des enfants, sur une agency, sans tenir compte de tout ce qui les détermine, dans les deux recherches, à plusieurs années de distance, il y avait la volonté de rappeler que les enfances concrètes, matérielles et symboliques sont situées socialement, spatialement, dans une dynamique et une hiérarchie sociale, et donc que les capacités d'action, de choix, de décision ne sont pas également réparties. Donc, pas n'importe quelle sociologie de l'enfance, vous avez compris, mais une sociologie de l'enfance située dans des déterminismes. Replacez donc le regard sur l'enfance à travers ce à quoi ils ont accès, ce qu'ils peuvent faire, etc. Troisième volonté, troisième convergence que je voudrais souligner ici, c'est un trait commun aux deux recherches qui est la volonté d'incarner la compréhension des inégalités à travers une logique monographique. Dans les deux cas, on a des dispositifs méthodologiques qui sont taillés, qui sont épais. Et c'est cette épaisseur du dispositif méthodologique qui me semble intéressante et qui me semble utile en fait pour la recherche. Dans Capital culturel et inégalité sociale, on l'a déjà dit, une étude statistique de la population de 80 ménages de référence comparée à la structure de la population belge. On a, alors ça n'a pas été dit, et je trouve important de le dire, un codage de 73 caractéristiques qui sont observées pour chaque groupe familial, famille restreinte et famille étendue, et une présentation monographique de 3 familles idéales typiques de chacune des classes sociales. Et on a une combinaison de méthodes quantitatives et qualitatives qui donne une épaisseur à la recherche et qui donne son efficacité empirique, son efficacité aussi théorique et démonstrative en quelque sorte, avec une richesse de ce qui est donné à voir dans l'ouvrage, notamment avec des plans, avec des codages, avec des schémas et de nombreux tableaux qui donnent à voir, alors on a entendu parler tout à l'heure du bol dans ce con, qui donnent à voir des choses qui concrètement sont très utiles. Donc là, je rentre un peu dans la bidouille méthodologique de qu'est-ce que c'est que faire une recherche, mais précisément, la combinaison ici des méthodes est utile pour conduire des recherches de cette ampleur, en quelque sorte. Dans Enfance de classe, on n'a pas présenté de tableau statistique dans l'enquête, mais évidemment, le dispositif méthodologique s'adosse à des enquêtes statistiques qui existent, qui sont parallèles, qui sont complémentaires de la recherche, notamment l'enquête ELF, ou d'autres enquêtes, et on a cité plein de noms, j'y reviendrai pas, mais sans ces enquêtes statistiques qui balisent, qui structurent le cheminement théorique et statistique, ces enquêtes qualitatives ne sont pas possibles.
Donc, des enquêtes qualitatives à ce point détaillées sont possibles parce que, eh ben, on s'appuie sur l'intelligence collective d'autres chercheurs avec qui on est en connivence théorique et intellectuelle et qui permettent après, ben, effectivement, d'aller faire des zooms sur des familles et de regarder, de fouiller dans l'enquête qualitative. Dans Enfance de classe, on a fait le choix d'aller très loin ou en tout cas assez loin dans l'enquête qualitative avec un dispositif conduit, donc je l'ai dit, à l'identique dans 35 familles, recrutées dans toute la France, dans les trois grandes classes sociales, avec une attention aux fractions différentes. Et ce qu'on a voulu faire, c'est faire vraiment une focale resserrée, un zoom sur l'enfant, ou alors on prend la métaphore de l'oignon et on montre qu'on enlève les différentes couches de l'oignon au fur et à mesure. Mais donc, on est parti de l'enfant comme pivot et on a essayé de lui tourner autour. Et donc, on a fait trois entretiens avec les deux parents, lorsque c'était possible, ou au moins avec l'un des deux parents, mais trois entretiens longs d'au moins 1h30, 2h avec les deux parents, un entretien avec la nourrice et ou une personne de l'entourage ayant gardé l'enfant, un entretien avec l'enseignant, une observation en salle de classe avec l'enfant. On a collecté un ensemble de documents ethnographiques. Alors, on a visité le logement, on a visité les chambres des enfants, on a pris en photo les carnets de santé, on a récupéré les photos des étoiles au ski quand il y en avait, les albums photos. On a demandé aux enseignants de nous donner le livret scolaire des enfants. Parfois, les familles nous ont photocopié ou photographié l'ensemble des travaux scolaires qu'ils avaient conservé depuis la petite section maternelle. Donc, on a essayé de densifier la collecte des documents ethnographiques pour eh ben, donner à voir une épaisseur de vie de ces enfants et rentrer dans la chair de ce qui faisait la vie au quotidien de ces enfants de 5-6 ans. Ce qu'on a voulu faire en densifiant l'enquête qualitative, c'était de montrer que les inégalités sont incarnées et qu'elles se nichent parfois dans des effets très concrets de la vie des enfants. Je parlais tout à l'heure du fait d'avoir ou pas une bibliothèque et de l'avoir ou pas dans sa chambre. Eh bien, le fait d'avoir une bibliothèque dans sa chambre, ça ne produit pas les mêmes effets que de l'avoir dans le salon, d'avoir une bibliothèque partagée. On n'a pas la même place pour mettre autant de livres. Et dans certaines familles qu'on a vues dans l'enquête, il y a des livres de partout. Il y a des livres sous les lampes, il y a des livres sur les bureaux, il y a des livres qui débordent des placards parce que le père est lui-même écrivain. Ou alors, parfois, eh bien, on compte sur les doigts d'une main les livres. Et dans certaines familles, il y a un livre pour l'enfant et encore, il est écrit en français. Et la mère de famille qui s'occupe des enfants ne parle pas bien le français ou parle moins bien que son enfant et n'est pas en capacité de lui lire le livre. Donc, vous voyez bien que ces effets-là concrets, de la matérialité même de ce qui est disponible, ça joue. Et c'est pour ça qu'on avait fait le choix de faire un dispositif détaillé empiriquement pour essayer de serrer, je dirais même de ferrer, en fait, les conditions de vie de ces enfants. Une combinaison de méthodes donc au service de l'enquête et de la démonstration, avec ici une particularité qu'il faut souligner qui est présente dans l'enquête de 1978 et pas présente dans Enfance de classe et qui fait l'originalité et l'intérêt du dispositif, c'est cette liste, une liste de jeux et d'objets culturels, c'est-à-dire vraiment le souci d'aller faire un relevé de tout ce qui est présent dans les familles, alors qui est extrêmement chronophage à faire. Je le fais actuellement dans une enquête sur les appropriations de jeux Montessori, c'est extrêmement compliqué à faire, en fait, concrètement, d'aller dans les familles, de prendre un cahier, de faire un relevé très technique en disant, ben voilà, je prends en note tout l'année d'édition, etc. Mais ça produit aussi des effets extrêmement précis sur ce à quoi ont disposition les enfants. Et donc, rappeler ici que c'est présent dans l'ouvrage de 78, avec donc beaucoup d'avance sur un certain nombre de travaux qui ne commence à le refaire que récemment. Et donc, voir ici l'importance encore de donner à disposition cet ouvrage qui était précurseur sur un plein, sur beaucoup de manières de faire, de questions théoriques, mais aussi de dispositifs empiriques avec une richesse ici très prégnante. Enfin, dernier élément, intérêt sociologique convergent entre les deux enquêtes sur les questions d'inégalité culturelle et notamment sur la volonté de questionner la possibilité de transmettre de la culture à ses enfants. Et vous le savez sans doute, mais la métaphore de l'héritage culturel est un peu bancale et c'est quelque chose qui ne se transmet pas aussi facilement qu'un héritage économique. Gaëlle Henri Panaguière a contribué à le montrer et elle est dans la salle. Mais donc, les inégalités face à la culture,
dont on sait qu'elles sont particulièrement redevables d'effets de socialisation de classe, car elles débordent aussi ce qui se fait à l'école, nous semblait importante à objectiver, à questionner, parce que les différences face à différentes formes de capital culturel sont mises en regard d'autres inégalités, des inégalités économiques, des inégalités corporelles, etc. Et c'est en faisant une synergie que ces inégalités de transmission du capital culturel font et produisent des effets sur les enfants. Dans l'enfance de classe, on a essayé de réaliser un état des lieux culturels, une forme de cartographie du capital culturel objectivé, possédé par les parents, mais aussi en s'intéressant aux modalités de sa transmission. Est-ce que la famille met en place des stratégies de transmission de contenu culturel? Est-ce que les enfants bénéficient de contact avec les livres? Est-ce qu'ils bénéficient de modèles de lecteurs visibles? Est-ce qu'ils voient leurs parents lire? Est-ce qu'ils voient leurs grands frères, grandes sœurs lire? Est-ce qu'ils sont en présence de livres imprimés, de livres photocopiés, de livres en français? Et l'objectif, c'était de reconstituer des habitudes enfantines pour des enfants qui sont officiellement non lecteurs. À 5-6 ans, quand on fait l'enquête, l'apprentissage de la lecture ne fait pas partie des compétences au programme, ne fait pas partie des compétences dans le curriculum d'un enfant de grande section à maternelle. Ils apprennent un peu la combinatoire et la phonologie, mais ça ne fait pas partie du programme. Et pourtant, on a pu se rendre compte que certains enfants, au mois de décembre de l'année scolaire, savaient déjà lire. Et il y a certaines familles qui nous envoyaient des mails pour nous dire « Ah, en l'occurrence Mathilde, Mathilde sait lire depuis quelques semaines, nous ne l'avons pas aidée, mais voilà, elle sait lire, je voulais le porter à votre connaissance. » Ou alors, plus tardivement dans l'enquête, au mois de mars, mais au mois de décembre de l'année de grande section ou au mois de mars, c'est quand même avec plus de 9 mois d'avance sur d'autres enfants, ou même parfois 1 an et demi d'avance, puisque l'apprentissage de la lecture à l'école maternelle, c'est sur 2 cycles, c'est CP et CE1, et certains enfants dans certaines classes sociales n'auront acquis une fluence dans la lecture qu'en fin de CE1, quand d'autres ont déjà cette fluence en fin de grande section. Donc, ici, il s'agissait de saisir ça, ces habituations à lire, ces habituations à saisir le livre matériellement parlant, à le feuilleter, à le porter à la bouche aussi, qui constituent des petits lecteurs, mais des lecteurs quand même. Enfin, pour terminer ce tour d'horizon rapide, pour réinscrire enfance de classe et capital culturel et inégalité sociale dans une continuité, pour dire que finalement, c'est bien une continuité théorique et une continuité empirique qui se dessine depuis 1978, même sans le savoir, mais aujourd'hui, on rattrape ce gap. J'ai envie de dire enfance de classe et après. Les données d'enfance de classe, on a publié un certain nombre dans l'ouvrage de 900 pages de 2019, mais en fait, il nous en reste énormément. Et à certaines occasions, on a pu essayer de retraiter des données. Et notamment avec Fanny Renard et Olivier Vanet, on a essayé de questionner les notions d'aisance sociale, notions d'aisance sociale qui font un chapitre à part entière de capital culturel et inégalité sociale, pour voir comment les enfants, alors ici dans la perspective aussi d'Annette Larreau, apprennent, acquièrent le sens de leur position sociale, acquièrent un sens, une aisance sociale et une habileté, se sentir autorisé à parler à des adultes, se sentir autorisé à critiquer la parole des adultes, et notamment à partir d'un retraitement des données d'enfance de classe, on voit apparaître des transmissions du sentiment ou pas d'être dominant à 5 ans, 5-6 ans, d'une certaine confiance en soi, d'un sentiment de légitimité à parler de soi, à parler en son nom propre quand on est un enfant. Différences qui sont différentes manières de se sentir autorisé à, qui ne sont pas présentes dans toutes les classes sociales. Et alors que certains enfants apprennent la réserve sociale, apprennent à se faire petit, à ne pas prendre la parole, à se faire discret, d'autres apprennent à prendre la parole, à prendre la parole contre les autres en les poussant dans la scène scolaire. On peut voir certains enfants qui poussent d'autres enfants pour prendre la parole, qui demandent à d'autres enfants de se taire, et autant de traces d'une forme d'aisance sociale qu'on peut objectiver ici par ces indices convergents. Donc, après la réédition en 2022 de l'ouvrage de 1978, il y a l'idée qu'il y a beaucoup de sociologues de l'enfance et de la culture et des classes sociales qui travaillent dans ces directions, et c'est vraiment une invitation ici à continuer
et vous remercier aussi d'être là pour cette journée et travailler ensemble collectivement à faire exister la structuration de ces enfances inégales. Alors, je prends directement la suite sur la consigne qui m'a été donnée par Stéphane. Alors, je vais commencer de manière assez classique, mais néanmoins importante, en remerciant les organisatrices et les organisateurs de cette journée pour cette invitation à discuter d'un ouvrage que j'avoue n'avoir pas eu connaissance avant. Je suis d'autant plus contente de le faire que j'ai pu entendre les collègues belges ce matin et que ce que j'ai entendu fait en beaucoup de points écho au travail que nous avions conduit avec Séverine Capo, mais aussi à mon travail plus récent. Donc, je suis vraiment ravie de cet échange actuel. Alors, la lecture stricto sensu de l'ouvrage de Servet et Liénard a été pour moi donc l'occasion de revenir sur des réflexions que nous avions engagées avec Séverine Capo en 2015, année au cours de laquelle nous avions organisé à Paris 8 deux journées d'études que nous avions intitulées La différenciation sociale des enfants et journée qui nous avait conduite à diriger ensuite la publication d'un ouvrage aux presses universitaires de Vincennes et paru en 2019 intitulé La différenciation sociale des enfants, enquêter sur et dans les familles. Alors, je reviendrai dans un premier moment de mon intervention sur ce qui, dans ce travail avec Séverine, fait écho, soit pour le confirmer, soit pour s'en éloigner, à certaines des analyses qui ont été produites par Liénard et Servet. Mais la découverte de cet ouvrage m'a en réalité autrement interpellée, et ce sera le deuxième moment de mon intervention. C'est ce que ce livre dit en le thématisant relativement peu des dynamiques de socialisation intergénérationnelle dont je fais l'hypothèse qu'elles sont à la fois classées et genrées. Alors, je m'explique. Dans l'ouvrage de Liénard et Servet, ce qui frappe dans les analyses, comme dans l'enquête proprement dite, c'est la centralité de la mère. Elle est l'interlocutrice privilégiée des enquêteurs, quels que soient les milieux sociaux considérés. Elle est celle qui assure et garante de la transmission de valeurs, de principes, de types de pratiques qui véhiculent un certain ordre moral et domestique familial. Cette position de centralité dans le processus de socialisation et d'éducation des enfants mérite, selon moi, d'être précisément interrogée, car c'est là, il me semble, un moyen de comprendre, d'accéder à la dimension tout à la fois sociale et classée et genrée des processus de socialisation et d'accéder aussi à leurs effets sur les individus et ce, quels que soient les milieux sociaux considérés. Alors, si ce point m'a particulièrement interpellée, c'est aussi parce qu'il me semble faire écho à des travaux plus ou moins récents. Alors, je vais en citer quelques-uns. Je pense notamment à l'enquête de Michael Young et Peter Wilmot sur la famille et la parenté dans l'Est londonien. Et les auteurs consacrent un chapitre entier à l'analyse des relations entre mères et filles et à leurs effets sur l'ordre moral et familial. Dans une toute autre perspective, je pense aux travaux des années 90 conduits par Jean-Yves Rochex et Jean-Pierre Terrail sur les dynamiques de socialisation intergénérationnelle mère-fille et à leurs effets sur les trajectoires scolaires et sociales de filles des milieux populaires. Et tout récemment, je pense au travail conduit par Sophie Orange et Fanny Renard sur les femmes des milieux populaires qui, aujourd'hui, dans les espaces ruraux, reconduisent en même temps qu'elles renouvellent un certain ordre moral, familial et domestique. Alors, chacun de ces ouvrages rencontre à un moment ou à un autre la question de la place de la mère, sa centralité dans le processus de socialisation, de transmission, de normes, de valeurs, de types de pratiques, qui peuvent à la fois participer à la reproduction, mais aussi, j'y reviendrai très certainement aussi, à des formes de déplacement des rapports sociaux de sexe et de classe sociale. Alors, si cette question m'a particulièrement interpellée, c'est parce qu'elle fait écho à des enquêtes que j'ai pu conduire de manière beaucoup plus récente. Donc, j'y ferai référence dans la deuxième partie de mon intervention. J'en dis ici rapidement quelques mots. C'est un travail de recherche que j'ai conduit entre 2017 et 2020, dans un lycée professionnel agricole, auprès de jeunes filles qui sont scolarisées dans des filières de formation dites peu qualifiantes et qui sont objectivement peu qualifiées. Ce sont les filières du soin et du service à la personne. Ces filières accueillent presque exclusivement donc, des jeunes filles issues des milieux populaires, de ces fractions les plus stables à ces fractions les plus précarisées. Et
Lors de cette enquête, j'ai été conduite à un même type de constat pour ces filles des milieux populaires, la mère, et certainement aussi plus généralement les femmes de la famille, soit sont centrales dans la socialisation et la transmission, soit d'une vocation ou d'un goût, donc terme que je mets évidemment entre guillemets qu'il s'agit d'interroger, soit d'une implication nécessaire pour un domaine de pratique professionnelle largement féminisé et dominé. Alors je souhaiterais donc ici prendre cette occasion qui m'est offerte de discuter l'ouvrage de Liénard et Servet pour présenter quelques-unes des pistes sur les modalités très concrètes de ce qui se transmet spécifiquement aujourd'hui entre ces femmes des milieux populaires et ses possibles effets sur les formes d'implication scolaire de ces filles des milieux populaires. Alors donc, un premier moment de mon intervention qui revient assez brièvement sur la manière dont l'ouvrage de Liénard et Servet fait écho au travail qu'on avait conduit avec Séverine Cacpeau dans les portraits des trois familles que propose Liénard. Même lorsqu'ils nous décrivent, on l'a dit, les types de logements, leur organisation, leurs modalités et conditions d'usage en milieu populaire notamment, les auteurs proposent d'observer des éléments très concrets de la vie des familles, des stratégies éducatives, des types de gestion du budget familial, une division du travail éducatif et domestique, un rapport au métier ou à l'ascension professionnelle, un ensemble de pratiques qui charrient certaines valeurs familiales, mais aussi certaines conceptions de l'ordre familial et domestique. Pour l'analyse, Servet et Liénard situent très précisément ces familles dans l'espace social et déduisent de ces positions et des trajectoires de mobilité des familles des effets sur la transmission d'un capital ou de dispositions dont les auteurs font l'hypothèse qu'ils se constituent en ressources plus ou moins effectives dans l'espace scolaire. Alors, c'est cette même préoccupation sur la concrétude des processus de socialisation que Séverine Cacpeau et moi-même avions lorsque nous nous sommes engagés dans la mise en œuvre de ces journées d'études de 2015. Et pour nous, il s'agissait de réunir des chercheuses et des chercheurs qui s'étaient intéressés à ces processus très concrets de la socialisation pour en discuter les enjeux tout à la fois théoriques et empiriques. De notre point de vue, il s'agissait à la fois de clarifier nos usages, des notions et concepts centraux de socialisation, de disposition, d'intériorisation, de transmission, mais aussi d'appropriation qui charrie une certaine conception de l'enfance et des enfants, et de nous atteler à la question de ce que l'enquête sur et dans les familles permettait d'appréhender très concrètement des processus de socialisation. Dans l'ouvrage de Liénard et Servet, notamment dans les monographies des trois familles qui nous sont proposées, les effets des pratiques socialisatrices, donc les dispositions, sont surtout déduites du type de trajectoire sociale de la famille sur trois générations et sur la position occupée par la famille dans la structure sociale. Si c'est une manière d'approcher l'effectivité de la transmission d'un héritage, c'est une manière partielle et partiale de l'aborder. C'était en tous les cas, à l'époque, une des positions que nous avions défendues avec Séverine lorsque nous étions engagés dans la réflexion. Pour le dire autrement, s'il fallait pouvoir accéder à la concrétude des processus de socialisation, il nous fallait aussi pouvoir nous interroger sur la possibilité réelle d'en déduire des effets. Si on postule que la disposition est un inobservable, comment peut-on attraper, alors je reprends une des formules qui avait été employée par Muriel Darmon lors des conférences et qu'elle avait repris dans sa contribution à l'ouvrage, mais comment on attrape une disposition dans l'enquête? Qu'est-ce que l'enquête empirique permet réellement d'observer? À quoi donne-t-elle réellement accès? Comment déduire de ce qui s'observe dans les familles des effets socialisateurs? Comment déduire des pratiques et des discours des enquêtés, des dispositions? Comment se saisir aussi et parallèlement du travail du socialisé? Ça, c'était un point qui nous tenait particulièrement à cœur. Alors, les questions, on le voit, elles sont multiples et elles engageaient aussi pour nous une certaine conception de la socialisation. Et de notre point de vue, la socialisation appréhendée sous le seul angle de la transmission d'un capital culturel ne suffisait pas à appréhender la complexité des mécanismes socialisateurs qui, loin de relever d'une action mécanique et toujours identique qu'exercerait un adulte sur un enfant, supposait de penser conjointement l'activité du socialisateur et celle du socialisé. Pour défendre cette idée, nous avions pris appui sur les travaux de Bernard Lahire, qui envisageait que la transmission ou l'héritage pouvait être réussi ou raté, et c'était en fonction des modalités de relations sociales dans les configurations familiales que l'enfant incorpore des dispositions qui s'actualiseront plus ou moins selon les contextes et les situations.
Dans cette perspective, la socialisation est bel et bien envisagée comme un processus dynamique dont les effets ne peuvent être déduits mécaniquement. Et cette, je dois dire que la polarisation sur la question de la transmission et non pas sur celle de l'appropriation continue aujourd'hui à me poser question. Cette conception dynamique et dense de la socialisation, on en trouvait aussi trace dans un travail ancien de Charlot, Bautier et Rochex, qui invitait déjà en 92, dans École et Savoir dans les banlieues et ailleurs, à considérer la socialisation non pas comme une action sur, mais comme une relation entre, qui engage dans les familles différents agents socialisateurs, des frères, des sœurs, des cousins, des cousines qui relèvent de la socialisation horizontale, des tantes, des oncles, des grands-parents qui relèvent de la socialisation verticale. Et familles qui, elles-mêmes, doivent faire avec d'autres influences socialisatrices sur les enfants, celles des crèches, des médias, des écoles, etc. S'agissait donc peut-être d'analyser les effets de combinaison, de juxtaposition ou de concurrence entre ces différentes instances socialisatrices et agents socialisateurs. Mais si la relation entre engage un socialisateur et un socialisé, elle supposait aussi un objet de socialisation, et c'était quelque chose qui était aussi pour nous important au moment où on engageait la réflexion, parce qu'on socialise toujours à quelque chose. Qu'on socialise à des pratiques lectorales, à des pratiques culturelles, à des pratiques corporelles ou langagières, à certaines formes de temporalité, l'objet de la socialisation, les formes et les modalités de la transmission, plus ou moins conscientes, par imprégnation ou par incitation, les types de médiation qu'engagent ces objets et ces pratiques socialisatrices, nécessitent d'être précisément considérées pour que puisse être envisagée la densité des processus de socialisation qui ne sont pas des processus univoques et des sens didactiques. En effet, les enfants s'approprient de manière créative les pratiques parentales et plus largement familiales. Alors, pour aborder cette question, en tout cas pour la mettre en discussion, nous avions sollicité l'intervention de Jean-Yves Rochex, qui, en faisant des liens entre la sociologie et la psychologie culturelle, proposait de discuter ces conditions de l'appropriation par le socialisé du travail du socialisateur. Alors, c'est toutes ces questions que nous avions souhaité mettre en discussion dans le cadre de notre ouvrage et qui nous distancient certainement le plus de certaines des analyses contenues dans l'ouvrage de Liénard et Servet, notamment celles qui posent de manière assez tranchée, donc ça a été dit ce matin, la dépossession des populations les plus dominées, leur mode de défense passive, leur docilité ou leur soumission pleine et entière au destin probable. Cette manière de lire le réel, alors, c'est au moment où j'ai lu l'ouvrage, hein, c'est vraiment quelque chose que, voilà, que j'ai écrit au moment où j'ai lu. Je ne le dirai plus de la même manière maintenant, vous ayant entendu ce matin, donc, mais je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir entre-temps, donc je le dis tel que je l'ai posé dès le départ. Il semblait que cette manière de lire le réel prenait certainement le risque de gommer la complexité, la densité des différentes formes de socialisation et d'appropriation d'une trajectoire scolaire qui sont aujourd'hui perceptibles, y compris en milieu populaire. Alors, il ne s'agit pas pour moi ici de mettre en cause la réalité des inégalités sociales, hein, notamment perceptibles dans ces formes de transmission de capital culturel inégalement rentables d'un point de vue scolaire, mais il me paraissait nécessaire au moment de la lecture de nuancer le propos en contextualisant historiquement les analyses, donc en historicisant en fait simplement la réflexion, ce que je me propose de faire en prenant appui sur mes données d'enquête plus récentes. Alors simplement deux éléments de contexte historique très rapides qui me semblent importants. Les marchés de l'emploi et du travail ont connu d'importantes évolutions depuis les années 60. Tertiarisation de la société salariale, arrivée massive des femmes sur le marché du travail, accès généralisé, quelles que soient les catégories sociales, aux études et parallèlement des qualifications sociales et symboliques du travail ouvrier. Le système éducatif a lui aussi connu d'importants bouleversements, démocratisation, massification, centralité des diplômes et des certifications qui sont autant de données de contexte qui ont eu des effets réels sur le rapport qu'enfants et familles des milieux populaires entretiennent au destin probable. Ces transformations, je fais l'hypothèse qu'elles ont des effets distincts selon les milieux sociaux d'appartenance, mais aussi selon le sexe des élèves, et qu'elles ont au moins deux types d'impact. Alors, elles influent d'abord sur la manière dont les élèves, et je parle essentiellement ici des élèves des milieux populaires, puisque c'est mon objet de travail, vont appréhender leur rapport aux études, au travail et à l'activité professionnelle. Simultanément, elles vont aussi influer sur le rapport que les familles entretiennent à la scolarité,
de leurs enfants sur ce qu'elles y projettent et sur ce qu'elles en espèrent. Alors, je vais essayer de discuter ici sur le temps qu'il me reste de cette question du rapport au destin probable en portant la focale sur ce qui se joue pour ces filles des milieux populaires que j'ai, auxquelles je me suis référée très brièvement en introduction, qui sont scolarisées dans cette filière de formation très spécifique dans des lycées professionnels agricoles, donc des bac pro, soins et services à la personne et au territoire. Donc, pour le dire très rapidement, parce que je n'ai pas le temps de le faire ici, mais le bac pro, soins et services à la personne et au territoire, a pour ancêtre l'enseignement ménager agricole. En réalité, on y conserve dans la formation un pôle travail autour des soins d'hygiène aux personnes, très classique, et puis un autre pôle de tâches de secrétariat, de gestion administrative, là aussi assez classique. En fait, je souhaiterais ici, pour ces filles, porter attention aux dynamiques de socialisation intergénérationnelle en lignée féminine dans lesquelles les trajectoires scolaires de ces filles s'insèrent. En effet, alors c'est une enquête ethnographique par observation et par entretien avec ces jeunes filles. Donc là, je n'ai pas le temps non plus de m'apesantir sur le sujet, mais bon. Dans le récit qu'elles font de leurs expériences scolaires, et pour en expliquer certaines des composantes, les filles rencontrées dans l'enquête font fréquemment référence à leurs expériences familiales. Ces expériences sont exclusivement référées aux femmes de la famille, leur mère, leur grand-mère, leur tante, leur cousine, leur sœur, et elles opèrent toujours en faveur d'une mobilisation sur le projet de scolarisation et de formation en bac pro, donc que je vais appeler par son acronyme SAPAT, soins et services aux personnes et au territoire. Ces constats ont particulièrement attiré mon attention parce que dans ce bac pro SAPAT, comme dans beaucoup de bac pro peu qualifiants, on accueille plutôt des jeunes filles qui n'ont pas fait le choix de leur orientation en lycée professionnel, qui l'ont fait plutôt sous la modalité du second choix, et elles ont plutôt un parcours scolaire antérieur heurté, voire très heurté. Ces constats ont attiré mon attention parce qu'effectivement, il y a toujours cette idée d'une mobilisation sur le projet de la scolarisation et de la formation. Alors, pour rendre raison de ces processus de socialisation intergénérationnelle qui m'ont particulièrement interpellée, je considérerai d'abord ce qui se joue assez précisément dans l'ordre des formes de la mobilisation familiale et plus précisément des femmes de la famille, mère, grand-mère, sœur, cousine, sur le projet de scolarisation de certaines de nos enquêtées, pour ensuite m'intéresser à ce qui, dans l'ordre de certaines formes de la socialisation domestique, participe à dessiner progressivement l'évidence de l'orientation en bac pro soins et services à la personne. Je fais en réalité l'hypothèse que ces formes de mobilisation et de socialisation domestique produisent des formes d'adhésion ou d'accommodement à la formation en bac pro SAPAT. Mais ces formes d'accommodement ou d'ajustement ne peuvent pas être assimilées à de la docilité ou à de la soumission à un destin probable. Et ce que les filles parlent leur implication scolaire sur le mode de la vocation, ce qui est très fréquent dans ce domaine de pratique, ou qu'il soit parlé au contraire sur le registre de la nécessité pratique. Donc j'y reviendrai. Ces deux manières au moins de s'approprier sa trajectoire en bac pro SAPA, donc le registre vocationnel et le registre de la nécessité pratique, est pour moi un premier indice des manières distinctes, variées et variables de s'accommoder, de s'approprier, de faire avec une trajectoire scolaire qui est partiellement choisie et qui elle-même se traduise par des manières d'être au lycée professionnel et à sa formation distincte. Je le note ici très rapidement, mais c'est un point d'importance quand on s'intéresse aux scolarités des filles des milieux populaires. Les filles se mobilisent sur leur formation de manière parfois très distanciée. Elles s'ajustent ou s'accommodent, parfois dans la résistance, à certaines des conditions de formation et de travail qu'elles expérimentent. Elles rusent avec les règles de l'ordre de l'école, mais aussi avec celles du travail, manifestant des formes d'indocilité. Je reprends une formule chère à Prisca Kergoat, qui a fait l'objet d'une de ses publications récentes. Alors, s'agissant d'abord des formes de la mobilisation autour des scolarités, je noterai qu'elle ne prend pas la forme classique dans ces familles des milieux populaires, d'une transmission plus ou moins volontaire et consciente de capitaux culturels supposément rentables pour la réussite scolaire. Elle s'incarne dans d'autres formes de suivi et d'encadrement domestique du travail scolaire dont ces mères des milieux populaires prennent souvent seule la charge, et ce, quelle que soit la configuration familiale considérée,
qu'on soit en famille plutôt monoparentale, recomposée, ou en famille nucléaire. Les enquêtés font état des formes de l'encouragement et de l'incitation portées plus spécifiquement par leur mère à faire son travail scolaire et à en faire davantage, surtout lorsque les résultats scolaires sont faibles. Ces incitations ne sont pas nécessairement associées à un contrôle serré du travail effectivement fourni par les filles ou à une aide effective dans l'effectuation de ce travail, cette aide étant parfois simplement empêchée dès lors que la mère dispose elle-même de peu de capitaux scolaires. Elles n'en véhiculent cependant pas moins une sorte d'adhésion et une forme de promotion dans l'environnement familial d'un principe méritocratique assez classique, suivant lequel la somme du travail fourni devrait pouvoir permettre d'améliorer les compétences, les performances. De ce point de vue, ces manières de faire des mères ne s'opposent pas à celles que l'école sollicite. La mobilisation maternelle sur le travail scolaire peut aussi opérer de manière très concrète et très volontariste. Elle ne s'apparente cependant pas là non plus à une stratégie familiale de scolarisation parfaitement programmée et organisée, elle est plutôt guidée par les nécessités. Alors, je vais vous donner un exemple issu des enquêtes. Face aux difficultés persistantes que Claudie rencontre pour apprendre à lire, sa mère va se substituer à l'école et prendre la charge de ce travail d'enseignement-apprentissage de la lecture. Et voici ce que nous dit Claudie. Donc, Claudie et les parents de Claudie sont divorcés. Elle vit avec sa mère qui est aide-soignante et ses deux sœurs cadettes, et elles n'ont plus de contact avec le père. Alors, j'étais marquée parce qu'en sortant de l'école, je retournais chez moi, je reprenais l'école en fait, parce que ma mère, elle essayait de m'apprendre à lire, parce que du CP au CE2, je n'ai jamais su lire en fait. La mobilisation n'est pas forcément efficace ou rentable scolairement. Pour autant, les mères, par ce type d'accompagnement scolaire, cet encouragement au travail, cet encadrement des devoirs scolaires, cette prise en charge de l'apprentissage lui-même qui suppose de faire autre chose que ce que l'école demande, tend à manifester des formes de bonne volonté scolaire qui rappellent d'une part leur non-indifférence au processus de scolarisation de l'enfant et d'autre part leur adhésion au principe de la nécessité de l'implication scolaire. Et ça aura des effets aussi sur la manière dont les filles vont investir leur scolarité, y compris en bac pro. Alors, on peut trouver d'autres indices de l'implication scolaire des mères dans les démarches, parfois très nombreuses, qu'elles vont entreprendre pour garantir à leurs filles la poursuite de leur scolarité et l'engagement dans un champ de formation relativement choisi. En fait, un champ de formation choisi parmi un ensemble de contraintes. Alors, elles sont nombreuses, ces jeunes filles, à décrire dans l'enquête les différentes démarches qui sont engagées par les mères, exclusivement par les mères. Ma mère, elle m'a pris un rendez-vous chez la conseillère d'orientation. Après, on a fait plusieurs portes ouvertes. On a vu la CPE et tout, nous dit Manel. En fait, après mon CAP soigneur équidé, j'ai eu des problèmes de santé. Du coup, c'est ma mère qui m'a trouvé un autre lycée. Au début, j'étais en esthétique. Et quand j'ai voulu changer, ma mère, elle n'y croyait pas trop que ça allait m'intéresser. Et du coup, c'est elle qui a fait les démarches et tout. C'est elle qui a téléphoné. C'est grâce à elle si je suis ici. Donc, le grâce à elle est important. Les formes de l'encouragement peuvent être plus proprement symboliques, notamment au moment où s'opère le choix de l'orientation en bac pro SAPAT, et toutes les filles en entretien nous disent avoir été soutenues par leur famille. Sans exclure la mention du père, lorsqu'il est présent dans l'environnement familial, sa mobilisation sur le projet de formation en bac pro est énoncée de manière moins précise et nette que lorsque sont évoquées les femmes de la famille. Plus précisément, la mobilisation, l'incitation à s'engager en formation, le soutien, opère aussi par les discussions entre femmes de la famille, notamment lorsqu'elles ont une expérience scolaire dans le secteur du soin, ce qui est très, très souvent le cas. Une expérience professionnelle, pardon. Je sais que ma mère, elle est trop fière que je fasse ça parce qu'elle voit que ça me plaît. Ma grand-mère, elle est infirmière, alors forcément, quand elle a su ce que j'allais faire, elle était trop heureuse. Ma sœur, elle a fait un bac pro SMS, du coup, elle m'a expliqué ce que j'allais faire et elle m'encourage. Ma mère, elle connaît le métier parce qu'elle est aide éducatrice. Elle ne m'aide pas spécialement pour les devoirs, mais elle m'encourage. Avec ma mère, des fois, on parle des résidents parce qu'elle est aide-soignante. Et elle m'explique parfois des choses quand il y a des trucs qui m'ont choquée. C'est souvent aussi grâce à ces femmes qu'elles ont eu parfois accès à de premiers terrains de stage ou avec elles qu'elles ont partagé de premières expériences au travail. Alors, ces formes de l'engagement sur les scolarités, même si elles ne sont pas toujours parfaitement rentables, prend la forme d'une disposition à la bonne volonté comme le résultat d'une éducation scolaire morale. Et c'est peut-être cela qui fait l'objet d'une transmission dans cette relation mère-fille autour des enjeux scolaires
et qui, si elle a rarement permis d'améliorer les performances scolaires, notamment jusqu'à la fin de la scolarité de collégienne, va néanmoins permettre aux filles, et très certainement plus qu'à leurs homologues masculins, de se maintenir à une place respectable dans l'école. Très rarement étiquetées pour leur comportement déviant, elles entretiennent une relation relativement pacifiée à l'ordre scolaire et à ses agents. Sans ressentiment particulier à l'endroit de l'école, mais relativement distantes à l'égard des jugements qui sont portés sur elles, elles vont pouvoir investir autrement la formation en bac pro. Du côté des mères, pour celles qui sont peu dotées scolairement et qui sont dans des situations conjugales, familiales et professionnelles souvent instables, la mobilisation sur le projet de formation de leur fille prend certainement une tonalité un peu particulière. Il ne s'agit pas, évidemment, ici d'affirmer ce qui serait absurde, que les mères ne soutiendraient pas aussi un projet de la scolarité de leur fils ou un projet de formation chez ces derniers, mais simplement d'émettre l'hypothèse, comme d'autres travaux ont pu le faire dans les années 80, que dans certaines configurations familiales, suivant la position des familles dans l'espace social, les transmissions en lignée féminine sont certainement singulières et étroitement liées aux évolutions plus propres à la condition féminine en milieu populaire. C'est aussi un rapport aux études, au travail, à la vie familiale, à l'activité professionnelle et à l'autonomie financière que les mères transmettent à leurs filles. Pour chacune des filles rencontrées, le diplôme, l'allongement des scolarités, l'accès à un travail dit suffisamment épanouissant et garantissant un minimum d'autonomie financière sont en effet parlés sur le registre de la nécessité. Alors, j'évoquerai une dernière piste, mais en fait, vu la tête de Stéphane, je ne vais rien évoquer du tout. Je me trouve dominée par le contexte. Si tu m'y autorises, juste peut-être un point de conclusion. Simplement pour dire que, alors peut-être deux choses qui pour moi sont extrêmement importantes dès lors qu'on s'intéresse à ces scolarités plutôt féminines en milieu populaire et qu'on a eu, que la littérature sociologique a beaucoup classé hein, du côté de la soumission de la docilité à un destin probable. Indéniablement, la manière dont les jeunes filles arrivent en fait à faire avec leur scolarité, à s'en ajuster, à s'en accommoder, leur manière avec laquelle elles parviennent à négocier un certain accès au marché du travail, nous oblige en fait à considérer qu'elles peuvent faire autre chose de ce que l'on souhaite faire d'elles. Et je terminerai juste sur un dernier exemple lié au terrain. L'ensemble de ces jeunes filles que j'ai rencontrées en bac pro SAPAT ont poursuivi leur scolarité. Elles ont formulé au cours des 3 années de bac pro, elles ont appris à formuler un certain nombre d'aspirations scolaires et professionnelles. On ne va pas entrer dans la vision angélique hein, de la poursuite d'études des filles des milieux populaires. Il n'en reste pas moins que la très grande majorité d'entre elles sont aujourd'hui en emploi, certes avec des contraintes. Elles sont, pour d'autres, elles sont en poursuite d'études, y compris dans des filières de BTSA, donc qui sont les filières de techniciens supérieurs agricoles. Donc, c'est aussi là une réalité hein, sociale et scolaire qui invite à nous interroger. Voilà. La contrainte de la famille ne nous frustre pas totalement. On va peut-être prendre 4-5 minutes s'il y a des questions, des remarques. Sinon, moi, j'en ai. Voilà. Alors, Jean, vous pouvez prendre le micro. Le temps que le micro descende, j'amorce une question et du coup, vous ferez un tiers groupé. Moi, je trouvais intéressant dans ce que vous avez dit qu'à la fois, on voit les cousinages avec le livre de Lina Resservé et en même temps, voilà, des choses nouvelles. Dans ce que je crois que tu n'as pas dit, Frédéric, il y a aussi le fait que dans Pas des Fêtes, vous avez fait des tests avec les gamins inspirés de Bernstein sur leur niveau langagier, etc. Donc, dans ces héritages, il y a à prendre et il y a à renouveler. Quoi. Voilà. Ça marche? Oui. Donc, je voulais revenir sur le partiel et le partial de l'approche dans le livre, avec lequel je suis en fait assez d'accord, puisque moi-même, dans mon intervention tantôt, j'ai dit que l'utilisation quasi exclusive de la notion de privation de capital et de capital en simili avait eu des conséquences qui nous ont amené à modifier les choses. Je suis aussi tout à fait d'accord avec le fait de ce que vous dites à la fin, la difficulté d'interprétation,
sauf si on parvient à le constater par le dispositif d'observation, que le rapport aux professions peut être très différent et qu'il ne faut pas toujours l'interpréter dans la soumission, ou au contraire, on peut l'interpréter dans un projet soit de s'arranger avec, soit d'essayer de progresser. Le problème, j'ai fait une courte étude sur des gens de milieu populaire qui avaient eu une trajectoire extraordinaire. Le problème là-dedans est de pouvoir trouver ce qui fait que dans la même famille, certains ont ce type de rapport, je dirais progressif, à leur manière de voir leur profession, alors que des frères ou des sœurs, alors on pourrait jouer évidemment sur la question genrée, n'ont pas du tout pris cela, alors qu'ils sont dans la même famille. Et donc, c'est probablement relié à des interactions différentes avec le milieu. Alors, j'avais une toute petite nuance sur le partiel et le partial. C'est qu'en fait, l'empirie nous a obligés, dans l'écrit, à prendre en compte une série de choses. Par exemple, on a vu que dans l'occupation du logement, alors que si on regarde l'occupation du logement selon les différents milieux, ou si on regarde la manière dont fonctionne l'école maternelle, notamment la troisième maternelle, dans une classe, il y a différents coins, ce n'est pas différents locaux, il y a différents coins dans la classe qui sont destinés à des activités différentes, qui demandent aussi des dispositions langagières ou corporelles différentes. Dans certains coins, on peut bricoler, on peut parler, dans d'autres, on doit... Et selon le type de socialisation familiale inscrite dans l'espace, cela peut montrer la différence de l'exigence de la culture scolaire appliquée en maternelle avec les exigences et la socialisation qui s'est faite à l'intérieur de l'école. Donc, pour apporter une petite nuance au partiel avec lequel je marque mon accord, c'est que l'attention aux détails des observations croisées entre ce qui se passe dans l'espace familial et les exigences de la culture scolaire nous ont obligés d'une certaine manière, ce qui nous a amené ensuite à dire, mais il y a des choses qu'on aurait pu mettre en avant et qu'on n'a pas mis en avant.